So I'm going to give the floor to the Democratic Republic of Congo. Je vais alterner avec le français. D'abord pour remercier de sa présence, son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, le docteur Jean-Jacques Mbugani Mbanda. Avant de donner la parole, je voudrais faire une rapide introduction, puisque la République démocratique du Congo a fait preuve d'une résilience importante tout au long de la période pandémique, en se concentrant sur les améliorations de la lutte contre le choléra, y compris dans les efforts de vaccination, des campagnes réactives, mais aussi des campagnes préventives, ciblant plusieurs zones, ont été réalisées malgré un contexte difficile. Ce contexte difficile, il a été mentionné à plusieurs reprises en raison du Covid, mais il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo a aussi été confrontée à d'autres pathologies et épidémiques importantes. Et je fais ici allusion d'abord à la rougeole et à Ebola. Ces épidémies ont nécessité des réponses de santé publique fortes, et notamment des systèmes de surveillance importants pour la rougeole et pour les autres pathologies, et des stratégies de vaccination à nano contre Ebola. Et j'aurais aimé vous demander quelles sont les grandes leçons que vous tirez bien sûr de ces luttes et de la combinaison de ces luttes contre les épidémies, et quelles sont les pistes que vous voulez poursuivre dans cet objectif-là. Je vous remercie et je vous donne la parole. Alors, merci. Merci beaucoup pour la parole. Permettez-moi de remercier à l'entame de mon propos les organisateurs de cette réunion ainsi que l'Organisation mondiale de la santé pour leur engagement et leur plaidoyer constant auprès des pays en faveur de l'élimination du choléra. La République démocratique du Congo a souscrit à la stratégie de contrôle du choléra définie dans sa feuille de route pour l'élimination du choléra avant 2030. Pour cela, des actions ont été développées pour répondre aux recommandations de la dernière revue annuelle, en l'occurrence celle en rapport avec l'élaboration d'un plan multisectoriel pour l'élimination du choléra, de l'identification des foyers de persistance du choléra, de la détection précoce et réponse aux épidémies, ainsi que la mise en place d'un mécanisme efficace de coordination lié à un partenariat et mobilisation des ressources. La République démocratique du Congo, mon pays, a élaboré en 2018 son troisième plan multisectoriel d'élimination du choléra, qui a été recadré en 2020 et endossé par le gouvernement de la République. Depuis 2017, mon pays dispose d'une cartographie des zones à risque de choléra et s'attelle à répondre de manière prompte aux différentes épidémies. La situation épidémiologique actuelle du choléra accuse une réduction de son incidence de 64% de 2017 à 2020 et une réduction de 71% des décès. Le progrès accompli par mon pays au moment où il était confronté par d'autres épidémies est certainement le fruit d'un renforcement de la coordination impulsée par le chef de l'État, à travers la mise en place d'un secrétariat technique avec pour mission spécifique de mettre fin à l'épidémie Ebola ainsi que les autres épidémies, dont le choléra. La résilience du pays face à ces multiples épidémies passe par une organisation de la riposte basée sur les évidences, avec des plans stratégiques et opérationnels élaboré par des experts du ministère avec l'appui des partenaires du gouvernement. Les réunions fréquentes de surveillance intégrée des maladies sont tenues chaque semaine sous le leadership de mon cabinet.
Lors de ces réunions, toutes les maladies épidémiques, choléra, rougeole, poliomyélite, Ebola, COVID, sont passées en revue et des actions prises sont en faveur de leur contrôle. La riposte choléra en RDC est multisectorielle, suivant 7 axes stratégiques du plan multisectoriel d'élimination du choléra, à savoir la coordination, la prise en charge des cas, la surveillance, le WASH en urgence, le WASH durable, la vaccination et la recherche. Un comité national de l'action de l'eau, hygiène et assainissement basé au ministère du Plan assure cette coordination. Mon pays a élaboré et validé son programme eau, hygiène et assainissement 2020-2030, et cela conformément à la loi relative à l'eau promulguée depuis 2015. Ici de noter ici, mesdames et messieurs, que malgré les différents instruments existants dans la riposte, il faut noter un déficit dans l'appui et la coordination multisectorielle. Voilà pourquoi nous saluons à juste titre le choix porté sur la RDC Mon Pays pour abriter la plateforme de coordination de la Global Task Force Choléra Control en appui à la coordination multisectorielle. Concernant la riposte vaccinale contre le choléra, la RDC remercie très sincèrement Gavi, le GTFCC, le ICG pour l'appui à notre plan triennal de vaccination dans le hotspot qui se déroule bien. 3 sur 5 provinces endémiques ciblées ont organisé les campagnes de vaccination. Il s'agit du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Haut Katanga, avec plus de 6 millions de personnes vaccinées entre 2020 et 2021. Et très prochainement, 2 autres provinces vont également s'exercer. Il s'agit du Haut-Lomami, du Tanganyika, qui devront, avec près de 4 millions de doses, réaliser leur campagne de vaccination préventive. Nous signalons qu'en dépit des contraintes de la pandémie COVID-19, la RDC a pris des mesures additionnelles pour le bon déroulement de ses campagnes. Il s'agit de la prévention et contrôle de l'infection pour protéger les vaccinateurs et les populations lors des campagnes. Il s'agit de l'implication des leaders communautaires pour la sensibilisation de communautés et servir d'exemple en tant que premier à être vacciné. Il s'agit aussi de l'intégration des interventions WASH lors des campagnes de vaccination de choléra. Tout ceci se faisant avec l'accompagnement des experts au niveau central. Mesdames et messieurs, voici quelques leçons tirées des progrès en matière de lutte contre le choléra dans notre pays. Il s'agit de l'appropriation et de la poursuite des mesures de lutte par les communautés locales à travers les stratégies de réponse rapide et participative mises en œuvre par les acteurs gouvernementaux, par les ONG, par les organisations du système des Nations Unies ainsi que les associations. La vaccination préventive dans le hotspot garde son importance comme mesure de lutte et peut bien se dérouler dans le contexte de la COVID-19 grâce aux mesures spécifiques. L'appui multisectoriel au plan de contrôle du pays nécessite d'être renforcé pour permettre à notre pays d'évoluer vers l'élimination du choléra. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'occasion accordée à mon pays de pouvoir s'exprimer à travers cette réunion de grande importance et nous attendons à bras ouverts la mise en place de la plateforme. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Ministre, de ces propos et en même temps de cette réponse claire sur la résilience dont la République démocratique du Congo a fait preuve malgré l'ensemble de ses difficultés. Merci pour cette clarté.